L'un des événements majeurs de cette année, c'est le culte national, le culte de la prière nationale qui aura lieu dimanche le 26 au Palais des Sports de Ouarta. Ça sera un dimanche spécial. Donc, c'est une fête à l'Éternel où nous allons prier pour le Cameroun. Vous savez tout ce qui se passe actuellement dans la nation. Bien-aimés, en tant que Camerounais, nous avons une responsabilité envers notre pays. Donc, ne dis pas seulement je suis chrétien, mais seulement prier et puis je rentre chez moi. La paix de cette nation, sa stabilité, dépend aussi de notre prière. Donc viens avec toute ta famille. C'est en même temps le culte des plaintes à l'Éternel. Le culte de consécration familiale. Toutes les églises que nous avons sur toute l'étendue du territoire camerounais seront fermées. Tous les pasteurs de brebis doivent venir ici à Yaoundé pour ce grand jour. Amen. Donc il faut être là et tous les pasteurs doivent prendre ça très au sérieux. Je veux que les gens prennent ça très au sérieux. Parce que le culte là va influencer notre pays. Tu ne veux pas la guerre dans ce pays, tu veux la paix au Cameroun. Pour nous, pour nos enfants, pour leur laisser un Cameroun meilleur, nous consacrons la journée du 26 juin comme journée de prière nationale au Cameroun. Donc je voudrais inviter tous les autres hommes de Dieu qui portent à cœur la paix dans notre pays, autant que cela est possible, joignez-vous à nous pour prier pour le Cameroun. Retrouvons le palais des sports de Ouarta. Et je pense que chacun, quelle que soit sa religion, doit prendre ceci très au sérieux. Il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de protestants, il n'y a pas de catholiques, il n'y a pas de pentecôtistes. C'est une histoire de Camerounais priant pour la paix dans la nation camerounaise. Donc, mettons les divergences religieuses de côté. Unissons-nous pour prier pour la paix dans cette nation. L'Église doit prier. Et le Cameroun a plus que jamais besoin de l'Église. Parce que l'Église est une force spirituelle. Si nous demandons à Dieu, nous nous unissons, l'Éternel va nous exaucer. Je vous dis la vérité. Nous allons prier pour la paix, la stabilité dans notre nation. Dans les régions du Grand Nord, du Sud-Ouest, du Nord-Ouest, nous allons prier que Dieu se souvienne de ce pays, qu'il bénisse notre belle nation, le Cameroun, et qu'il nous donne de vivre dans la paix. Amen. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Qui sera là le 26? Who shall be there? Qui sera là?